Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette huitième émission sur l'Amérique Globale 5. Aujourd'hui, on va parler de je ne sais pas quoi, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo à la fin. Je ne sais pas de quoi on va parler. On a parlé de ce que je pensais sur les liens, etc. dans la 5, 6e. 7e, on a parlé des streamers français-anglais, certaines personnes qui faisaient des choses pas très catholiques, et des réflexions qu'on pouvait avoir. Et là, dans la 7e, eh bien je ne sais pas. Vous voyez, ça va être au feeling. Je ne sais pas du tout. Déjà, on va commencer par être un type bien et on va prendre les quêtes. Bon. Est-ce que vous êtes chaud ou pas, les gars? J'ai envie de vous dire, c'est ça, quoi. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes à donf? On va prendre des quêtes. On est chaud. Allez, 15 Simon, c'est parti. Putain, mais ils font chier avec leur quête au 1-3, les gars. On est passé en récolter du Prometium 20. Allez, on prend ça parce qu'on est un gueudin. Tuer un des Volarium. Je ne suis plus sur la bonne map. C'est chiant. Ouais, bien sûr, hein, on nous met des dévots dans la gueule partout. C'est sûr. Voilà. Allez sur la carte 1-3, bien sûr. Ah, ok, les gars. Ok. Bon, il faut que j'aille en 1-3. Je pense que je vais leur demander s'ils peuvent me suivre ou pas. Can you follow me, baby? Je dois aller en 1-3. Vous venez. Follow me, please, baby. I need your help. I'm a bitch. Non, franchement, j'ai besoin de vous. Parce que... Ok. Ouais, c'est trop cool. Merci, je nique trois mordons, ma gueule. Alors attendez, avant, je vais prendre celle-là, je m'en fous 10 minutes, je pense que ça le fait. Osef. Et là, vas-y, on va prendre ça. Ah, on est dégueu. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti, on se casse. Des volariums. Ouais, des volariums mordons, la totale, mon gars. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, Dévo, Mordon, Simon, la totale supplément fromage. Voilà, j'ai envie de dire ça. Excusez-moi. Voilà. Supplément fromage, c'est quelque chose. Voilà. Vous entendez toujours des gens à chaque fois qui vont dans un kebab ou autre. Ouais, kebab, salade, tomate, oignon et supplément fromage, s'il te plaît. Voilà. Chaque fois, c'est ça, donc c'est marrant. Raza, j'allais dire Ra's al Ghul en regardant Arrow. Si vous regardez pas, ah oui, on va parler des séries, tiens. Qu'est-ce que vous pensez des séries françaises? Qu'est-ce que vous pensez des séries américaines? Alors, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve les séries françaises à chier. Exception de Nos Limites et Le Transporteur. C'était deux séries françaises que j'ai bien aimées. Sinon, les séries françaises sont nulles à chier. Alors, quand vous regardez, comment ça s'appelle, avec Balavoine ou je sais pas quoi, là, qui a fait. Marc Lavoine, pardon, quelque chose comme ça. Enfin, je me trompe parce que j'aime pas les chanteurs français non plus. Qui ont fait des choses comme ça. Alors attendez, t'as toujours pas le bonus. Hélas non. Hélas non. Et ouais, donc les séries, en fait, je trouve ça juste ennuyant quand vous les regardez. C'est là, vous êtes là, pff, ouais, c'est ce truc. Par contre, là où j'étais agréablement surpris, c'est quand j'ai regardé Nos Limites et Le Transporteur. La série, ah, les deux faits par Luc Besson, rien à dire, franchement c'était une tuerie. Et en ce moment, je dois vous dire que les séries américaines, il y en a pas mal, et notamment dans les DC comics. Alors pour tous ceux qui. L'univers DC comics, c'est l'univers de la bande. De la bande. Pardon, les dessins animés un petit peu en bande. En bande animée, j'allais dire. Je suis perdu, je sais plus. En BD, voilà, pardon, excusez-moi. L'univers DC comics, et ils ont sorti donc Arrow. Arrow, qui est une série aussi basée sur le DC Comics, donc l'archer en fait. Hein. Et c'est quand même quelque chose de fou parce que je suis arrivé, tout le monde m'en parlait, je me dis, bon, je vais regarder un épisode, bon, on va voir ce que ça vaut. Et en fait, je suis resté comme un fou dessus et j'ai regardé la saison 1, la saison 2, directement en français parce qu'elle était disponible en français. J'ai tout regardé d'un coup, j'étais comme un fou. Et c'était pour moi, c'était une excellente série. C'était juste énorme et c'est très bien. Il y a The Flash aussi qui est sorti, qui est en relation un petit peu pareil. Après, on a la série. Là, level au-dessus, quoi. Il y a The God. C'est Game of Thrones. Alors, ça, tout le monde est en bad devant cette série. Elle est juste énorme. Trop bien faite. Super paysage, des super acteurs. Et s'il vous plaît, ne la regardez pas en français cette série. Please. Mais regardez-la en VostFR. Parce que franchement, les voix françaises sont nulles à chier. Franchement, elles sont hyper mal doublées, elles sont pourries. Franchement, elles sont juste à chier. Hein. Moi, je regarde ça, je fais. Ah ouais? Ah ouais, c'est un peu compliqué. Tu comptes dire quoi au sup? Ah, déjà dit, il sent. Bip, 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 bip. Oh, le flooding est interdit. Il sent. Comment j'écris ça? Oh, comment j'ai écrit tout à l'heure?
Il s'en fout. Voilà. Voilà, comment j'écris sans tout à l'heure, S-E-N-T, oh la honte, comme il sent, comme il ressent, comme il sent mauvais, quoi. Putain, mais quel... Ah là, j'ai bafoué la langue française, là, les gars, est-ce que vous pouvez me... Faut me recadrer, là. Ah, ça a pu, là, j'ai fait de la merde. Est-ce que vous pouvez venir ici, les gars, s'il vous plaît, j'ai un dévot. Please, come in, I need your help. Donc voilà, juste, voilà, les séries françaises, voilà ce que j'en pense, moi. Franchement... Je suis déçu parce que je pense qu'en France, on a des bons réalisateurs, des bons producteurs, mais on a des acteurs de merde. Ah, vous allez me dire Jean Dujardin. Ok, Jean Dujardin, il a fait Un gars, une fille, après il est parti aux États-Unis, il a été connu. Ok, il y a Omar Sy qui est pas dégueulasse non plus, qui est plutôt pas mal, il y a Danny Boone, etc. Mais c'est pas des acteurs de série en fait. Un gars, une fille, voilà, c'était pas une série très poussée, on va pas se mentir, hein, c'était pas non plus oufissime. Ce qui fait que, bon, quand vous regardez aux États-Unis le nombre de séries qu'il y a, regardez, vous regardez les NCIS Los Angeles, c'est pas français. Vous regardez les NCIS tout court, c'est pas français. Vous regardez les experts, c'est pas français. Enfin bref, on a pas un programme en fait qui se détache des autres où on est là, bah ouais, bitch, c'est nous qui avons fait ça. On en est fiers, quoi. En France, c'est compliqué, quoi. C'est plus, bon, bah, les gars, on ferme notre gueule. On va essayer de doubler les voix de Game of Thrones. On va doubler les voix d'un tel, on va doubler les voix d'un tel. C'est tout ce qui se dit, en fait. C'est vrai que c'est assez chaud. Pour le coup, c'est chaud. Parce qu'on n'arrive pas à faire des trucs de ouf, quoi. On est là, on s'extasie devant, et puis on dit, ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, moi, je suis content de voir ça. Ah bon, tu es content? Très bien. Voilà, c'est juste ça. Et on dit toujours la petite phrase, c'est français cette série? Ah non! Ah oui, je me disais bien aussi, vu le décor et tout. C'est vrai qu'en plus en France, on a des beaux décors. On va pas se mentir. Para, franchement. Attendez, je me coupe dans mon truc parce que je vais. Para, franchement, le bonus c'était pour le design. Design à 100%, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était pour le design, ma gueule. Moi je voulais le design, c'est tout ce que je voulais, hein, le truc qui claque un peu pour faire le beau, quoi. Alors oui, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, en France on a des beaux paysages, pas se mentir, il y a des régions qui sont très jolies comme il y a des régions qui sont hyper moches. C'est partout pareil, mais je peux vous dire que quand vous allez en Norvège ou autre, vous avez quand même des bêtes de paysages qui servent à beaucoup, beaucoup de films ou de séries américaines. Mais en France, on s'en sert pas beaucoup de ça. On est très casanier. On veut rester beaucoup en France, faire beaucoup les décors français, etc. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas des décors avec des châteaux à perte de vue, avec une plaine, etc. Ça pourrait peut-être faire plus de séries. Alors vous avez Kaamelott aussi comme série qui a été par Alexandre Astier, qui est française, qui était pas mal. Franchement, je l'ai regardé. On avait Caméra Café aussi. Bon, ok, Caméra Café. Excusez-moi. J'ai rien dit, Caméra Café, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, etc. C'était super. À mourir de rire, ça a été revendu partout. Et vraiment partout, hein, on va pas se mentir, ça a été revendu au Canada, en Espagne, partout, 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 ça a été revendu. Et ça avait l'air, c'était super, hein, franchement, on passait un super bon moment au niveau de ce Caméra Café. C'était très rigolo à l'époque. Là, il y avait des bons acteurs, bon, c'était pas un jeu de ouf, hein, c'était un décor planté, toujours à la machine à café, hein, d'où son nom, Caméra Café. Mais c'est vrai que c'était plutôt sympathique, c'était plutôt pas mal, et plutôt, je dois dire que c'était plutôt intéressant, en fait. Moi, j'ai bien kiffé tout ça. Alors, 14 sur 20. J'avais bien kiffé cette époque avec Caméra Café, quand je regardais, moi aussi, ça m'arrive encore, de temps en temps, de me remater des Caméra Café et de regarder Kaamelott. Ok, c'est aussi deux séries qui sont bien, mais sinon, voilà. Elles se comptent sur le doigt d'une main, en fait, les séries qui sont bien en France. Et c'est dommage, parce que... Aujourd'hui, le marché de l'audiovisuel, le marché du gaming, etc., c'est ce qui rapporte le plus. Et en France, on est incapable de faire quelque chose de bien, quoi. Enfin, on n'est pas capable de faire un jeu vidéo de ouf. Alors, il y en a quelques-uns, mais voilà, c'est pas folichon. On n'est pas capable de faire... comment dirais-je ? On n'est pas capable de faire des films de ouf, des séries de ouf. Et ça manque, c'est pour ça que l'économie française, on va pas très très bien aussi. Alors on dit qu'on est là, que les gens sont là pour le tourisme, etc., que Paris c'est joli. Peut-être quand vous parlez à quelqu'un de la France, il dit Paris, Paris is beautiful, I see the Eiffel Tower. Voilà, c'est la seule chose qu'on vous dit, c'est quand vous croisez des gens sur Paris, des touristes, ils vous disent please, where is the Eiffel Tower? Voilà, bon, pas avec cet accent, pas avec cette prononciation là, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les gens en fait ils parlent juste de ça et vous êtes là, ah ouais, The Eiffel Tower,
Bah ouais, c'est, enfin voilà, c'est juste, c'est moi ça, je trouve ça marrant, mais à la fois pas marrant. Est-ce que vous allez aux États-Unis, vous avez la Statue de Liberté, vous avez Hollywood Boulevard, vous avez Las Vegas, vous avez, enfin bref, il y a plein de choses, vous avez les grands, vous avez le Grand Canyon, avez... ah, c'est blindé quoi. Et c'est pour ça qu'il y a plus de choses, et puis les gens sont un peu différents. J'ai attaqué quelqu'un. Il y a un fufu, il y a un fufu, il y a un fufu les gars. Attention, il y a un fufu. Je sais pas où il est. J'ai fini cette quête, mais il y a un fufu. Il y a un fufu quelque part, je sais pas qui c'est. Il est rouge ou pas? Faut tout péter. Oh putain, je suis en train de faire de la merde. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des séries. Il fallait trouver un sujet. Moi, j'ai donné mon avis. Je kiffe à 200%, 300%, 1000% les séries américaines. Et les séries françaises, à part 5 que je dois apprécier, toutes les autres. Jambon, quoi. Franchement, jambon, je suis pas ouf. C'est qui lui? C'est un rouge ou. Je crois que c'est un rouge lui. Enfin, parce que bon. Moi je le tape depuis tout à l'heure, c'est un rouge, ça je crois, non? Il a pas l'air d'aller très vite, hein. C'est un rouge ou pas? Bah, si c'est pas un rouge, je passe pour un queutard, hein. Je crois que c'est un rouge. Est-ce que je vais faire mon premier vaisseau ou pas? Je l'ai pas tué? Il est où? Ah yes, je l'ai. Oui! Je t'ai, mon gars! Est-ce que ça va être mon premier vaisseau? Attention, là, si c'est un moment très sympathique. Oh non! Fais pas ta pute comme ça! Non! Mais non! Putain! Il s'est laissé taper 3 ans en fait, c'est un truc de fou ça. En plus, il a l'Aegis. Voilà, c'est fini. Hein. Si le mec a l'Aegis, il nous chie dessus. Hein. Pourquoi ça marche pas? Si ça y est, ça marche. Si il a l'Aegis, il nous dit juste ta gueule quoi, c'est. Ah ouais, bah le mec il se répare à l'infini. On lui fait que dalle comme dommage, on est puant, on est moche, mais on est moche, le mec il est en papillon. Allez, je termine cette caisse et je me casse. Cassez-vous les gars, cassez-vous! On se casse les gars, on se casse, cassez-vous, 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 on va tous péter! Sortez de là! Bon, je me casse, j'ai pas envie de péter encore. Je m'en vais, salut! Vous savez, je suis la grosse pute qui se casse en plein milieu d'un fight ou lorsqu'il y a une guerre. Non, les gars, je prends pas parti, moi. Je suis un peu comme la Suisse. Je reste dans mon côté. Vous voyez, non, c'est juste que j'ai pas envie de répéter pour rien, en fait. On pourra pas le péter. J'étais tellement fier de moi. J'étais là, putain, vas-y, c'est bon, j'ai un rouge, ça va être le premier gogo que je vais faire. Et là, le mec, il m'a tellement mis un stop, en fait. Un gros. Ta gueule. J'ai bêté un stand, j'ai rien compris. J'ai vu 23 000, 24 000, j'ai fait. Merde, c'est pas un noob. Pourtant, je croyais avec le mec qui se déplaçait pas trop vite, tu sais, il allait à peu près à la même vitesse que moi. Je me suis dit, ça va le faire. Et en fait, il m'a mis, stop! Je te mets du X3 dans ta gueule, t'es mort. Ah, merci. Merci. Merci de me faire passer pour un con devant, je sais pas, 300, 400 personnes. C'est gentil. J'ai apprécié ce moment-là avec toi. Ça a été fort sympathique et fort agréable. Alors, on va d'abord réparer, parce que là, voilà. Parce que je dis beaucoup de conneries. Alors, on n'a plus masse choses à faire, hein. Putain, c'est ouf ça. Allez, hop. Hop. J'ai un banc de Lord Aki à faire, mais celui-là, il est hard. Hein. C'est trop hard, on va retourner un peu là-bas. J'ai besoin de Lord Aki et de dévots. On a passé la barre des 1 million d'XP. Je tiens à m'en féliciter. Je suis un génie du game. 1 million d'XP. Franchement, vous pouvez me dire respect. C'est pas facile à acquérir de nos jours, vous savez, avec la crise économique. XP est de plus en plus difficile, je dois le dire. Et je tenais juste à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé pour pouvoir en arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. Non, bref, j'arrête là, je suis pas bien. Allez, on va repartir pour des quêtes. Allez, bois un petit coup d'eau, excusez-moi. Bon, alors, on est parti. Il faut du Simon, du boss Simon, du dévot, du boss Mardone, et bien sûr, mais tout le reste, et tout ce qu'on peut gratter, on le gratte, et nous on est un peu des schlags. Tout ce qu'on prend, on le prend, quoi. Tout ce qui passe sous la main, on tape, on tape, on tape. Le but, c'est d'arriver level 10, et de dire au support, t'as vu, connard, je suis level 10, et j'ai toujours pas les bonus. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Voilà. Voilà, très intéressant. Deuxième quête, c'est quoi? Lord Akia, Devo. Allez, c'est parti, c'est parti. Besoin de quoi, les gars? Devo, Simon, Boss, Simon, Boss, Mordon. Voilà.
Voilà de quoi j'ai besoin. Voilà de quoi j'ai besoin. Toute la nuit. Oh, la 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 la. C'est parti, c'est Tipa. C'est parti, c'est la fête. On est tous là pour s'ambiancer, bien sûr. Bienvenue sur Radio Paradoxe. La radio qui vous fait chier toute la journée, bien sûr. Non. C'est parti, on est chaud. Et on fait tourner les serviettes. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête. Ah, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. La touche espace que je spamme comme un connard est en train de me rendre fou. Touche espace me rend dingue. Si on pouvait finir ces missions rapidement, ça m'aiderait. Non, sérieux là. J'ai le boss d'Evo qui me tape sur la gueule depuis tout à l'heure, ça c'est chiant. Voilà. Ah, mais il est pas avec nous lui? Oh, please, fais pas ta billette. Viens, viens, je t'invite. Il fait déjà partie d'un groupe, il m'a mis un gros stop lui aussi. Ok. Bon, ben non, on n'aura pas ça alors. Hop, voilà, tu fais du mordant, j'en ai pas besoin. Et je t'aide parce que je suis pas un connard, mais voilà. Bon, techniquement, on n'est pas bien là. Techniquement, il me faut, voilà, il me faut un boss Simon. Là, tu vois, là, ça me redonne le smile, ça me redonne le sourire. Je suis tombé sur le boss Simon direct, c'était cool. C'était fun, c'était sympathique. J'ai bien aimé. Oh, il y a un dévot, 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 les gars, il y a un dévot. French War, pourquoi t'as déco? Ok, c'est parti. Alors, le mec, il me dit, on y va, ok, c'est parti. Eh, si, là, d'accord, j'ai peur parce que je me dis, putain, le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ok, c'est parti, il se casse. Ok, c'est parti, les gars, on va faire la quête, ouais. Moi, je m'en vais, par contre, je me casse, je déco, j'ai autre chose à foutre. Ah, d'accord. Bon, merci à toi. Il est juste là, fort sympathique à lui de nous aider. Bravo à toi d'être passé en Goliath et en crédit. Tu as du mérite. Je vais même noter ton pseudo et je te filerai du crédit. French War. Wow. Des personnes que je crois sur le jeu qui sont méritantes et qui ont réussi à XP toute seule et à bosser. Donc c'était plutôt pas mal. Félicitations à toi. Maintenant que j'ai fait le tri dans le clan, hein, qu'il n'y a plus que des level 10. Tous les autres ont été kick out. Voilà. Vous reviendrez quand vous serez level 10. Et les gens que je vois comme ça connectés qui jouent beaucoup, on a envie de les remercier, ces gens-là. Les autres, on n'a pas tellement envie, mais. Oh yes! Yes, bitch, je suis cocu. Oh yes, il me fallait un boss mordant, c'est parfait, 18 000 XP. De l'autre côté, il me faut quoi encore? Ne me dites pas qu'il me faut un boss mordant, donc là je fais le connard à Switch. Je pense pas. Attention. Ah, il me faut encore du Lord Akia et un dévot. Parfait, pendant qu'ils vont taper ça, moi je vais taper le Lord Akia. Allez, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Alors, enfin! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a dit enfin? Tchou! Pouf! Ah, on a buté le boss. Vous savez quoi? Je suis un gros radin. Prends la soute. Ouais, parce que j'ai besoin d'une Xénomite. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai besoin. J'ai décidé que j'en aurais besoin. Alors, est-ce que je vais passer niveau 9? C'est combien le niveau 9? Je pense que c'est bientôt le niveau 9. J'ai fait toutes les quêtes, je peux pas en faire plus, les gars. Je suis au max du max. Enfin, voilà quoi. Je peux pas faire mieux. Ah, franchement, je suis à fond, je suis à donf. Faire ça, il me manque un dévot. Faire le dévot. Hop, faudrait que je répare un peu quand même parce que là je suis un peu en train d'en chier. Ah, est-ce que j'ai toujours les enchères? Très important, les enchères. Suivre toujours les enchères. Les enchères, c'est votre meilleur copain. C'est si vous avez un pote à vous faire dans la vie, c'est des enchères quoi. C'est vraiment eux, ils vous emmèneront loin. Paradoxe, 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 paradoxe. Bon, ça va parce qu'il y a quasiment que des abonnés qui sont co. Il me faut le robot réparateur. Je vais pas mettre 1 million. Hop, de retour sur le jeu. Excusez-moi, petit souci technique. J'ai cliqué sur un onglet. J'ai fait un peu le con. Excusez-moi. Donc du coup, on est reparti. On a terminé cette quête. Du coup, je disais les enchères, votre meilleur ami. Donc j'avais tout checké et je misais le robot réparateur de combat en fait, tout simplement, jusqu'à que je fasse un peu l'autiste. Excusez-moi, je m'en excuse. On va terminer cette quête du coup d'Evo. On va se quitter là pour cette septième, huitième vidéo sur AG5, pardon. Déjà 1 059 000 XP, on a été plutôt balèze, plutôt fort. Donc là, je dois remercier tout le people qui m'a soutenu et qui m'a aidé durant ces quêtes. Et merci à vous, je pense que je vais tourner la neuvième. Comme ça, tout sera fait, tout sera prêt, tout sera chaud pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.